Bonjour tout le monde, bienvenue aux trucs et astuces de Solide Expert. Donc, mon nom est Alain Provost. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel de mémoire. Peut-être qu'on a oublié des petites choses parfois qu'on trouve évidentes, mais que quand on oublie où est-ce qu'elles sont, oups, ça va mal. Donc, sans plus tarder, on va aller voir peut-être ce qu'on a à l'intérieur de SolidWorks aujourd'hui comme trucs et astuces au niveau tôlerie. J'aimerais vous ramener un peu en arrière avec une petite option qui nous est apparue au fil des ans dans SolidWorks au niveau de la tôlerie. Donc, j'ai un petit modèle ici qui comporte deux éléments, comme vous pouvez voir. Mes pièces ont des corps séparés. Donc, j'en ai une que c'est les deux petites barres avec des formes différentes et l'autre qui est ma tôle qui reçoit celle-ci. Comme vous pouvez constater, dans ma tôle, pas très joli, là, il me semble y avoir quelques petits problèmes. J'ai des crottes, des restants de tôle, malgré que j'ai fait mon enlèvement de matière à travers celle-ci. Donc, de quelle manière j'ai procédé? Ça arrive souvent quand on fait nos conceptions qu'on y va avec notre habitude, nos connaissances, puis ça se déroule bien, ça va assez vite là, quand on fait nos fonctions. Donc, moi, j'ai simplement extrait la forme de mes barres sur un plan et puis j'ai envoyé ça à travers ma tôle. Bien, j'ai oublié qu'à l'intérieur de ça, quand je fais un enlèvement de matière normale, bien, je peux optimiser la géométrie. Donc, si cette case-là n'est pas cochée, c'est important de la faire. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a deux choses qui sont arrivées sur mon modèle. Les petites crottes sont parties, mais ma découpe est vraiment parallèle maintenant à la surface de ma tôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite option-là fait vraiment deux choses. Elle améliore le profil qui a été coupé dans ma tôle et ensuite, elle s'assure que la découpe passe vraiment perpendiculairement sur ma tôle, ce qui améliore grandement la découpe. Donc, si vous remarquez ici, quand je n'ai pas activé cette case-là, ben on voit que je ne pense pas qu'une découpe laser va pouvoir arriver à faire ce genre de coupe-là sur ma tôle. Donc, c'est pour ça que si jamais on a des problèmes avec nos découpes sur nos tôles, ce n'est pas les meilleurs résultats qu'on désire avoir, c'est peut-être juste cette petite case-là qui était la question à régler. Donc, sur ce modèle-là, c'est un peu ce que je voulais vous rappeler, un petit truc et astuce que j'utilise vraiment régulièrement dans mon modèle pour justement prévenir ces petites problématiques. Je travaille tellement souvent avec des projections d'esquisses pour faire des enlèvements de matière que souvent je n'y pense même plus. Donc, peut-être pour un deuxième petit truc, je voulais vous donner peut-être un petit extra également dans la tôlerie. Ce que je vais faire, je vais fermer ce modèle-là. Voilà. Et puis, je vais passer maintenant à un prochain exemple. Imaginez que, encore dans la tôlerie, on a besoin de créer une indication, puis que cette indication-là passe justement dans un pli. Exemple, moi ici, j'ai écrit « Solide d'expérience » sur mon rayon. Comment j'ai fait ça? Bien, première chose, j'utilise enroulement. Ça fonctionne super bien. Et tracé, oui, tracé. Aussi simple que ça, pour avoir un tracé sur un rayon de ma tôle. Puis, quand je fais mon déplié, bien, je ne l'ai pas ce tracé-là. Donc, ça veut dire que sur ma mise en plan, ça n'apparaîtra pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de mettre une note manuellement dans ma mise en plan? Bien, pas du tout. C'est parce que j'ai oublié une fonctionnalité. Et puis, celle-ci, elle se retrouve dans l'état déplié. J'ai une case qui dit « Conserver les faces tracées ». Donc, ça veut dire que quand je vais déplier maintenant, bien, mon tracé va rester sur mon déplié, donc je vais pouvoir le voir dans mes dépliés et sur mes mises en plan. Fait que sur ce, moi, j'espère que ces petits trucs-là de tôlerie vont vous avoir rafraîchi la mémoire et dépanné.
Merci. Au revoir.